Ça va bien. Salut, Lydia. Oui, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est correct. Parce que c'est intense, c'est bien gros. Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour avec une vidéo qu'on pense que vous aimez vraiment beaucoup. Mais que nous on aime en tout cas. Et qu'on adore faire. Ouais. Une vidéo magasinage. Comme vous le savez, cette vidéo-ci, il y avait un petit élément d'ajouter. Au moment de publier la vidéo, là, pour l'instant, vous ne le savez pas encore, mais au moment de publier la vidéo, on va vous avoir annoncé la petite crevette qui se cache ici. C'est pas l'avocat en ce moment? En ce moment, c'est une pêche. Une petite pêche. Et là, donc, je viens de trouver des vêtements de printemps sous les conseils de mon amie Pierre-Anne. Et de Julie. Et de Julie, elle nous accompagnait. En Gaspésie, elle était dans le vidéo. Oui. Et puis vous l'avez peut-être même vu en apprentissage et vous allez l'avoir en apprentissage aussi. Mm-hmm. Et sous les conseils de mes amis, je vais me trouver des vêtements de maternité, ça fait drôle à dire, on dirait, mais qui étaient beaux pour le printemps. Fashion. Ouais. Donc, parce qu'on veut rester des filles fashion, même ben si... Oui. Même si pas on, moi non. S'il vous plaît, si vous trouvez que oui, mais non, c'était de la poutine, mais non. Moi, non, je suis pas en maternité, mais je me sens un peu en maternité quand même. Regarde, on le vit, elle vit avec moi. J'ai ça de light un peu, mais non. Donc, si vous allez voir, c'était quand même drôle. C'était la première fois que moi, je rentrais chez Time Maternité. On va vous présenter des trucs, là, mais c'était comme un moment, là. Ouais. Un moment que je suis contente d'avoir vécu avec toi. Moi aussi. Premier magasin qu'on va aborder, c'est le Winners. On n'a pas trouvé beaucoup de choses au Winners, étonnamment. Ouais. Mais bien sûr que Winners, c'est pas sexy en maternité. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas encore à quel point ça va. Je suis pas une habituée hein, de la maternité. Fait que je sais pas encore ça va grandir comment. J'osais pas trop prendre des trucs. Mais moi, j'ai trouvé là, ce manteau. Puis là, je vais le montrer sur moi parce que rose. Parce que c'est comme un peu un manteau. Non, je m'en vais pas faire une compétition de hip-hop. Mais. Comme pour courir à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai lâché, il valait 100$, mais il était 50$. Puis j'en avais vraiment besoin parce que j'avais perdu mon manteau de course. Mais il est super beau. Fait que je l'ai comme mis pour que vous ne pensiez pas que j'ai l'air d'une poche de patate parce que, tu sais, c'est quand même. Ouais, mais il est super beau. Il est beau. Puis j'ai une poche pour mettre mon sel, ma ponche. Ça, c'est pratique. Ouais. Ma ponche, c'est assez pratique. Ouais. Est-ce que t'avais une. T'avais pas une autre trouvaille aussi? J'avais une chandelle. Excusez, j'allais chercher. On va boutique. Et juste un petit t-shirt comme ça. Pour le printemps, mais il est cute. Pour le printemps, ouais. Oups, pour mettre avec un item que vous allez voir plus tard. Oh! Oui! Puis il était celui-là, 12$. 97$. C'est vraiment pratique pour les petits t-shirts, là. Ouais. Même, c'est comme pas cher. Ouais. Bon, pas cher! On aime ça! On a commencé par nous vendre au Simon. Ben oui. Simon, en rénovation, par exemple, difficile à se retrouver. On était un peu perdus parce que d'habitude, c'est notre habitat naturel, vous le savez. Mm-hmm. Mais là, on était un peu. On était comme. Il est en rénovation au promenade Saint-Bruno. En deux pyjamas, on ne savait pas trop quoi faire. On stressait, mais finalement, on a trouvé des belles choses. Oui, puis dans des sections, on n'aurait pas pensé. Oui, ouais. Surtout, en tout cas, moi, j'ai sorti ma zone de confort, vraiment. Grâce à Elementary et School. Bon, je peux commencer avec cet item-là, parce qu'on suit une fille sur Instagram. Elementary. Elle fait des huiles essentielles aussi beaucoup. Ouais. Elle a un petit chiche-là aussi. Oui. Elle est comme super hippie, elle s'habille vraiment bien, mais souvent, elle met des choses, des vêtements, puis on se dit, c'est sûr que si moi j'avais porté ça, j'aurais eu l'air d'un sac de patates ou je sais pas, comme de... Tu sais, elle est vraiment hippie, mais c'est beau, mais je suis pas sûre. Et là, on a vu un pantalon qu'on dit un peu en joke, « Hey, tu devrais l'essayer. » C'est Elementary, là. Oui, ouais. Parce que c'était élastique aussi, donc je me disais, « Ah, tu sais, jusqu'au mois de juin, je vais pouvoir le porter quand même, tu sais, selon la grosseur de l'orange à melon d'eau, on le sait pas. Donc, je vous montre les pantalons, vous allez les voir à l'écran d'ailleurs, mais tu sais, avec un petit t-shirt blanc, là, c'est sûr que c'est une camisole, mais peut-être avec un coat jeans ou autre. Vous allez voir, c'est assez funky, mais ça faisait beau. Pierre-Anne était presque prête à s'en prendre. Je les ai essayés. À les essayer, puis c'était beau. Ça t'allait vraiment bien. C'était beau, ouais, mais... Bon, c'est des pantalons comme un peu éléphant. Comme Kumbaya. Ça. Kumbaya. On s'assure, Kumbaya. Mais avec la taille élastique vraiment confortable. Donc, je me disais, là, ça fait pas beau avec cette couleur-là, mais ça va comme vraiment... Il y a de la place. Il y a de la place.
Puis en plus, avec un petit t-shirt blanc, je pense que ça va être beau. Puis l'été, c'est, tu sais, quand on a des petites soirées fraîches, chaudes, tu sais. Ouais. Puis tu sais, un petit plateforme. Je vois déjà le style, là, on va vous en reparler, mais il était 60$ au Simon quand même. Mais je me suis dit que ça allait vraiment me servir avec la grossesse, donc j'étais prête à payer le prix. Puis même sans grossesse. Sans grossesse. Tu sais, ouais, vraiment, là, parce que toi, t'es essayé. La même temps super que toi. Beau. Ouais, 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 c'était vraiment beau, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est des small, 60$. Un bon achat. Ouais. Moi aussi, j'ai fait un achat pas funky, mais. Funky, un peu hors zone de confort. Ouais. C'est pas rose. C'est une salopette. Mais là, je sais qu'au salon d'apprentissage, j'avais pensé que j'avais une robe salopette. Maintenant, j'ai vraiment la salopette. Ouais, salopette, salopette. Salopette, salopette. Je suis prête à changer vos autos d'huile, n'importe quand avec ça. Non, c'est vrai, mais ça fait un beau petit look. Ouais, ouais. Vous allez voir à l'écran aussi, mais c'était super beau. Ouais. Puis vraiment, tu sais, j'ai mesuré avec ma main, puis oui, c'est des shorts, mais je peux les porter à l'école, puis on s'entend que c'est pas ajusté, là. Tu sais, c'est pas un short. Non, ça fait en bas, c'est comme, ouais, ouais. Comme si tu portais comme une robe ou une jupe, là, ouais. Dans le sens que c'était la même longueur que tes mains. Ouais, puis t'as il était lousse, fait que ça faisait pas comme salopette sexy moulant, là. Non, non c'était salopette. Ouais, ouais. Était 60 aussi, mais tu sais, en même temps, c'est quand même... Ben, ça va être en jean, je pense que c'est ça les prix, là, mais bon, était super fou. Belle. Ouais. Puis il n'y a pas de déchiré, de trou, fait que non. Tu peux vraiment la porter à l'école. Ouais. Parce que des fois, c'est ça l'affaire aussi, là. Ouais. Ouais. Ok, voilà mon achat. Pour rester dans le thème hip-hop, ouais. C'est parce que là, je voyais bien des petits looks de maternité de, avec des filles avec des robes, tu sais, des robes plus ajustées, mais qui mettent par exemple un chandail un petit peu plus loose dans le haut. Pour mettre la bénine en valeur. Ouais. Ça avait l'air de faire super beau. Donc là, quand j'ai vu au Simon un petit chandail basic, mais qui est fait un peu plus court, là, je peux pas vous le montrer avec une robe parce que j'en porte pas en ce moment, mais sûrement vous allez voir passer ça dans nos photos Instagram. Puis ce qui était bien, que Pierre-Anne a même dit, c'est qu'il y a comme un petit truc pour quand même serrer le bas du chandail. Donc, ça fait vraiment mignon. Je pense que ça va faire super beau avec une petite robe. Il est blanc, donc ça fait printemps. Mm-hmm. Puis il était 39$. Puis en plus, c'est en coton, je ne me trompe pas, coton biologique. C'est parfait. Super confortable. Dernier item qu'on a trouvé au Simon, c'est une petite jupe. Elle est vraiment belle. Pas paysanne, mais un peu. Voilée, là. Oui. Voilée. Avec une autre épaisseur pour comme, que tu ne sois pas transparent aux endroits où il ne faut pas voir. On veut pas. Puis dans le fond, c'est ça avec un petit t-shirt blanc, une petite camisole blanche avec un petit court de jeans. Ouais. Ça serait super beau. Puis elle était 50$. Jupe, mais en même temps pour une jupe. Tu peux même la mettre comme, tu sais, c'est le genre de choses qu'on met à l'école, mais qu'on pourrait mettre aussi comme soirée d'été, avec une petite sangria à la main. Ben, pas moi cet été, mais toi cet été. Ouais. C'est ça, ouais. On est allé ensuite à notre magasin qu'on voit très souvent, le H&M. On adore ça. Sauf que là, on est allé dans une nouvelle section, oui. La section maternité. Mais attention, la section maternité, il ne l'a pas au Promenade Saint-Bruno. C'est au Maire Champlain ou au 10-30, puis c'est vraiment une minuscule section, mais j'ai quand même fait des petites trouvailles. Que voici. Que voici. Premièrement, ces pantalons-là, je les avais vus dans une story d'une autre fille que je suis, qui s'appelle Jess Meag, ou quelque chose comme ça sur Instagram, qui va on être maman. Salue. On te salue, bonjour. Parce que pour des jeans à seulement 40$ avec une bande, c'est des petits jeans blancs de printemps, je m'en cherchais comme, tu sais, pour jusqu'à la fin de l'année. Je me disais blanc, ça va faire beau avec des chandails. Et j'ai fait des petites trouvailles de chandails de ma maison. Ils sont pas transparents. Non, pas transparents. C'est ça, blancs qui sont pas transparents, si on aime ça. Ouais. Parce que j'ai vraiment regardé avant de les acheter quand même. Puis j'ai fait la trouvaille de petits chandails, comme tu sais, des petits chandails basiques, pas trop chers. C'est comme 2 pour 30$, celui que je porte en ce moment. Tu sais, ils sont faits quand même un peu plus longs parce que... Un petit mini élastique, pas trop intense parce que je voulais pas non plus que... C'est ça, ça soit trop comme chandail de maternité. Mais moi, je le porterais là aussi en ce moment. Ouais, puis il y a comme une texture de... Il est texturé. Ouais, il est texturé, super mignon. Puis il y en avait comme, tu sais, ça, je me disais, avec un petit pantalon blanc, ça va être mignon au printemps aussi. Puis j'en ai pris comme un bleu marin, un noir, donc des petits basics qui étaient comme environ 15$ chaque, pas trop cher, on aime ça. Et le dernier item, vous allez le voir à l'écran parce que je pense que celui-là, on l'a filmé. Je me disais aussi, avec soit une jupe ou même tout ça, c'était beau. Ouais. C'est comme une petite chemise comme ça, juste un petit peu. Lousse, qui était à 19,99$. Donc lousse, donc il y a de la place. Puis je me dis aussi avec il y a de la place. Avec soit une jupe, tu sais, une long. Robe, puis faire comme un petit nœud dedans, ça va être cute pour le printemps. Ça va être femme fatale, mère fatale. Peut-être pas là, mais j'essayais de trouver des petits looks fashion quand même.
Pour ma part, dans le nom maternité, je me suis trouvé des petits. Là, on m'avait beaucoup parlé du mom jean. C'est comme un jean tie-off. Là, je montre, c'est sûr, il est troué. Fait que c'est pas pour l'école, mais je montre Donc, c'est un mom jean, c'est ça. C'est comme. C'est tie-off, puis c'est un petit peu lousse. C'est très confortable. Mm-hmm. Bon. Je l'adore. Il était 39,99 ouais, aussi. C'est confortable, donc je vais mettre ça la fin de semaine. Oui. Dernier, non le moindre, notre épopée. Chez Time Maternité. Mm-hmm. On va vivre un moment. Ah, ça va au Time. Au Time Maternité. Moi, je redoute un peu ça. J'ai peur qu'ils disent que t'es imposteur, mais. Moi, j'ai hâte d'essayer de bédé avec toi. On va essayer ça. Je dois avouer qu'au départ, moi, ça me faisait un peu peur d'entrer là parce que, comme je suis pas très avancée, quand même, ça fait quand même quelques mois que je suis enceinte, là, mais j'ai pas encore un ventre proéminent, si on peut dire ça de même. Non, ça paraît pas. Ça paraît pas tant que ça. Je me disais, est-ce qu'ils vont dire comme. Sors de ce magasin, tu n'es peut-être pas enceinte. Mais bon, les filles se m'ont convaincue, donc on est allé parce que j'étais comme quand même inconfortable dans mes jeans. Mm-hmm. Tu sais, ça n'en prend pas beaucoup pour se sentir comme serrée. Alors, je suis allée me chercher des jeans parce qu'il paraît que les jeans sont quand même un petit peu plus dispendieux, mais je me disais, il me faut au moins une paire de jeans jusqu'au printemps. Alors, j'ai opté pour des jeans. Et là, la magie okay. de la grosse bande, mais ils sont quand même... Fashion. Ouais, Charlie, ils adorent, ils sont à fond. Charlie, est là, il regarde. Mais j'aimais le bas, mm-hmm. ils sont vraiment skinny, puis je les ai portés une journée hier pour la première fois, puis ils sont pas comme devenus super lousses, ils sont restés serrés, puis vraiment, c'est super confortable. J'ai hâte de voir la bande, si ça va être, ça va rester comme, ça va vraiment élargir, mais vous allez voir l'écran, j'ai essayé une fausse bédaine mm-hmm. pour ajouter 20 semaines, puis ça rentrait dedans. On va acheter 25 dans la veste. Non, mais là en dessous. Non, non, tu peux mettre juste la même. Mais on va tout ça. Ouais, ouais. Oh, ça va bien. C'est beau. C'est beau. Ils sont rire un petit peu en ce moment. C'est correct. Parce que c'est intense, c'est bien gros. Mais c'est ça que tu vas avoir dans Paul. Donc, c'est ça. Il était quand même 70$ si je ne me trompe pas. C'est des small, mais c'était... Il fallait, t'en avais besoin. Il les fallait. Donc, vous allez sûrement me voir très souvent dedans parce que j'en ai pris une paire. À suivre. Alors, on espère que vous avez aimé découvrir toutes nos trouvailles du printemps. J'aimerais bien qu'on fasse une autre vidéo printanière ou encore une vidéo été parce qu'Alex, ça m'a grossi. On aimerait savoir quelle robe elle va acheter. Ouais. Puis j'aimerais savoir en acheter aussi. Donc, écrivez-nous et mettez un petit peu d'amour en dessous de la vidéo. Oui, puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça nous démontre que vous aimez ce qu'on fait chaque semaine. Puis sinon, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye.